Voici quelques photographies prises lors de notre voyage à l'île de Pâques au Chili. Ce fut un époustouflant voyage scolaire que nous avons organisé pour des élèves de Tahiti afin qu'ils connaissent l'histoire de leurs ancêtres polynésiens. L'île de Pâques, que ses résidents appellent Rapa Nui, est l'île habitée la plus isolée du monde. Ce petit triangle de collines volcaniques est perdu dans l'océan Pacifique, à mi-distance entre Tahiti et le Chili, le pays dont il dépend. Le fait que ses premiers occupants, des Polynésiens, aient pu le découvrir relève du miracle et reste une énigme qui n'est qu'en partie résolue. La théorie la mieux admise est qu'il serait arrivé sur de grandes pirogues depuis les îles Marquises, situées à 2000 km plus à l'ouest. Nous avons parcouru toute l'île en quête des mystérieuses têtes de pierre géantes qui ont valu au lieu sa célébrité. Baptisées Moai dans la langue des Pascouans, elles sont le legs d'une civilisation qui est née, s'est développée et s'est éteinte en vase clos. Les 887 Moai, dénombrés à ce jour, dont certains reposent sur des plateformes appelées Hau, auraient été érigés entre 1000 et 1500 de notre ère. Nos élèves ont été invités, en tant que Polynésiens, à participer au festival culturel appelé Tapati Rapa Nui, qui raconte l'histoire des Polynésiens en mêlant pendant 2 semaines carnaval, musique, danse, démonstration de peinture corporelle et performances sportives. Nous découvrons en premier Ahu Akivi, surmonté de Moai qui représente les premiers colons de l'île et qui fixe la terre d'origine. Ce sont les seuls Moai de l'île qui sont tournés vers la mer. La plage d'Anakena accueille Lahu Ature Uki à gauche et Lahu Nau Nau à droite. C'est en 1956 que l'archéologue Thor Heyerdahl remit debout pour la première fois un Moai sur Lahu Ature Uki. Il voulait prouver la faisabilité d'une telle opération. On procéda par accumulation de pierres à l'avant de la statue et avec des leviers de bois. Plus tard, en 1978, un autre archéologue, Pascuan Sergio Rapu, restaura le deuxième ensemble, situé à quelques mètres de là, Lahu Nau Nau. Sur Lahu Nau Nau, tous les Moai tournent le dos à la mer. Ils fixent un village qu'ils protègent de leur mana. Leur principale caractéristique est qu'ils sont sans doute les mieux ouvragés de l'île. Le surfaçage des statues est beaucoup plus abouti que d'habitude et de nombreux détails sont visibles, oreilles et narines finement ourlées, mais surtout des dos très travaillés avec des représentations de tatouages et des tailles vestimentaires comme des cordelettes. 4 de ces Moai sont coiffés de pukau, de tailles et formes différentes. Le pukau, ou chapeau des Moai, provenait d'une carrière punapau, différente de celle où l'on taillait les corps. La couleur de ce tuf rouge le rend très différent de la pierre noire du corps. Hey,
tous les moai étaient extraits de la carrière de Rano Raraku. C'est un volcan. La carrière est concentrée sur un de ses flancs. On trouve encore des dizaines et des dizaines de moai terminés. On dirait que du jour au lendemain, tous les ouvriers sont partis et ont laissé en l'état tous ces moai à différents stades d'avancement, y compris ceux terminés qui étaient en voie d'acheminement vers les différents ahouts de l'île. Au total, on compte près de 400 moai à différents stades d'avancement dans la carrière. Ce moai n'a jamais quitté la carrière, ni même la roche de la carrière. On peut trouver encore sur ces lieux les outils de coupe qui ont servi à extraire ces géants de pierre. S'il avait été terminé, il aurait été le plus grand moai de tous. Il aurait mesuré 22 mètres de haut et aurait pesé plus de 100 tonnes. L'ahou Tongariki est un des plus grands ahou, en tout cas le plus grand ahou restauré. 15 moai sont alignés sur une plateforme qui mesure presque 100 mètres de long et fait 4 mètres de haut. Les moai furent abattus lors des guerres tribales. Un raz-de-marée acheva de complètement détruire cet ahou en 1960. Il fut restauré par des mécènes japonais. Le site de Taei est constitué de trois plateformes construites à des époques différentes. L'ahou Vei, Uri est le plus ancien. Ce site exceptionnel se trouve au nord du village d'Angaroa où se trouve la population Pasquane. Le moai de l'ahou Kote Riku a été restauré avec sur la tête un énorme cylindre d'une couleur rouge, le pukau. Ce pukau représentait sûrement les cheveux qui étaient enduits de terre rouge et qui étaient portés longs et coiffés en chignon. Des yeux ont été reconstitués, le blanc de l'œil est fait d'un morceau de corail, l'iris peut être rouge, un tuf volcanique, ou noir obsidienne. L'œil est ainsi juste posé,
dans l'orbite et dont nos statues se regardent vers les étoiles, qui correspond à un des noms de l'île. La force de ce regard devait être pour beaucoup dans le respect dû à ces statues et à leur mana, c'est-à-dire à leur pouvoir. Et bien sûr, on prenait sans doute soin d'éteindre complètement ce regard en brisant les yeux et en abattant les géants de pierre de l'ennemi quand on l'avait vaincu.